Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Phuket. Et on va également visiter les sites incontournables. Aujourd'hui, en visite des temples incontournables de Phuket, me voici au Wat Chalong. Wat Chalong, le temple de Chalong, Chalong Wat, est un des plus visités ici à Phuket. Nous avons eu la chance d'en venir au moment d'une cérémonie. Je vous propose quelques images. Un véritable trésor historique et spirituel. Il a été construit au début du 19e siècle. Il est notamment dédié à deux moines très respectés. Son architecture est amplement décorée avec des détails de cloches et de sculptures en bois. Les bougies et les fleurs offrent également une atmosphère sacrée qui est propice à la méditation et à la réflexion. N'oubliez pas de venir habiller respectueusement au regard des standards bouddhistes. Viennent chercher la lumière dans cet espace et ensuite font des offrandes en termes de fleurs ou d'encens. Et vous pouvez également contempler des statues impressionnantes de moines vénérés réalisées en cire. Les statues sont impressionnantes de réalisme. À la différence des temples de Koh Samui, ici toutes les boiseries sont protégées par des plexiglas. D'après ce qu'on m'a dit, cette partie récente serait le nouveau crématorium. Ce temple est implanté dans un jardin, dans un parc très arboré et bien entretenu. Vous pouvez entrer dans le grand Chedi qui abrite une relique du Bouddha. C'est le temple bouddhiste le plus visité de Phuket. Les pétards viennent de ce four toutes les heures. On entend pétarader comme ça, sans doute pour chasser les mauvais esprits. Asseyez-vous dans l'enceinte paisible du temple pour vous imprégner de la sérénité qui règne ici. Les murs sont ornés de magnifiques fresques qui décrivent les enseignements bouddhistes. Thank you.
Le temple Wat Chalong, c'est vraiment un lieu incontournable lors de votre visite à Phuket. Et que vous soyez en quête de spiritualité ou de découverte culturelle, ou simplement pour une petite escapade, vraiment, vous serez ravis. J'aime ce passage où les moines, symboliquement, sont rassemblés par une ficelle qui représente l'ensemble de la communauté. Ensuite, les fidèles déposent des dons devant les moines. J'ai d'autres temples très intéressants à vous présenter. Ils sont moins connus, donc abonnez-vous à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Merci de votre attention. Bye bye.